Entre le 20 et le 22 septembre 2023, Charles III et son épouse Camilla seront en France pour une visite d'État. Jeudi 14 septembre 2023, l'Élysée a dévoilé le programme qui était réservé pour le couple royal. Emmanuel et Brigitte Macron leur ont prévu un bel honneur. Charles III et son épouse seront en France entre le 20 et le 22 septembre 2023. Ils vont avoir un programme très chargé. Emmanuel et Brigitte Macron leur réservent un beau programme. Après une première visite d'État annulée en France à cause des manifestations qu'il y avait à l'encontre de la réforme des retraites, Charles III et sa femme Camilla viendront finalement dans l'Hexagone entre le 20 et le 22 septembre 2023. Le 14 septembre, l'Élysée a d'ailleurs dévoilé le programme du couple royal. En effet, le roi et la reine consort partageront des moments privilégiés avec Emmanuel et Brigitte Macron. Dès leur arrivée à Paris, Charles III et Camilla seront reçus par la première ministre, Elisabeth Borne, pour une cérémonie prévue à l'Arc de Triomphe avec un dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu, sous les yeux d'Emmanuel et Brigitte Macron. Le roi et la reine consort ainsi que le couple présidentiel français rejoindront ensuite le palais de l'Élysée par une descente des Champs-Élysées en voiture. Nul doute qu'il devrait y avoir du monde aux abords de la plus belle avenue du monde. Le roi et le chef de l'État prendront ensuite un temps pour échanger avant de se rendre au château de Versailles. En effet, Emmanuel et Brigitte Macron ont voulu que le repas organisé pour le roi et la reine consort du Royaume-Uni soit prestigieux. Ainsi, ils dîneront dans la galerie des glaces du château. L'Élysée veut faire un clin d'œil de choix de Versailles, un clin d'œil à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui elle-même a été reçue à Versailles lors de sa visite d'État en 1972, a fait savoir l'Élysée. L'Élysée prévoit entre 150 et 180 invités. L'animation musicale sera assurée par Daniel Losakovic, un violoniste suédois. Le lendemain, la reine Camilla et Brigitte Macron seront à la Bibliothèque nationale de France pendant que le roi Charles III s'adressera aux parlementaires au Sénat. Ensuite, le couple royal se rendra également au marché aux fleurs Reine Elisabeth II puis sur le parvis de Notre-Dame de Paris pour visiter le chantier de restauration. Le lendemain, ils quitteront la capitale pour Bordeaux où ils passeront la journée en Gironde.